L'Algérie est aujourd'hui au cœur d'une lutte géopolitique complexe. L'Iran, avec ses mandataires terroristes, menace la Méditerranée. Malgré les tensions au Moyen-Orient, l'Iran étend son influence en Afrique par des acteurs non étatiques comme le Hezbollah et le Hamas. Ces groupes, soutenus par les gardiens de la révolution iranienne, représentent des menaces pour Israël et la stabilité en Afrique du Nord. L'Algérie, en tant que pivot stratégique, a vu son rôle renforcé, notamment après la mort d'Ismaël Haniyeh et de Fouad Choukr. Le Hezbollah, acteur majeur au Liban, intensifie son soutien aux groupes terroristes, consolidant ainsi l'influence iranienne dans la région. Le Hamas, malgré des désaccords, bénéficie d'un soutien militaire substantiel de Téhéran, maintenant la pression sur Israël. Le Polisario, basé en Algérie, renforce ses liens avec l'Iran, recevant des drones et des missiles pour étendre son influence. Les gardiens de la révolution iranien, bien que discrets, jouent un rôle central dans la politique étrangère de l'Iran en Afrique. Leur présence en Algérie croît, contournant les sanctions internationales et établissant de nouveaux points d'influence. Des ports méditerranéens algériens pourraient devenir des bases logistiques pour les mandataires iraniens, accentuant les menaces en Méditerranée. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.